l'argent et dominer sur toute la terre. Dieu dit que l'homme était solitaire, malgré l'abondance de terre. Il n'était pas bon que l'homme ne soit seul. Tout ce qu'il créa était si beau, voici l'homme à son image. Alors en exécution de l'article 75 de l'année de l'Union civile, vous avez déclaré s'il a été fait un contrat de mariage. Non ? Pas de contrat de mariage ? Bon. Alors si je me trompe dans votre nom, ne m'en veuillez pas. Hein. Je ne me suis pas entraînée. Alors Madame Bukaka Wingi Mbiya Vanga, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Enfo Kumatumona Soutra ? Oui. Alors, monsieur Elfonku Matumona, consentez-vous à prendre pour épouse madame Bukaka Wingi Mbiya Vanga, ici présente. Oui. Alors, je prends acte de l'expression solennelle de la volonté des futurs époux et je déclare au nom de la loi que madame Bukaka Wingi Mbiya Vanga et monsieur Nkonku Matumona sont unis par le mariage. Félicitations. Thank you.
Bien, ne perdons pas de temps. Tournons-nous vers notre Seigneur. Et en ce beau jour de votre mariage, nous chantons la gloire de Dieu. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois.
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, j'y crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, j'y crois. Il y a tous ces actes de foi que vous venez de prononcer devant votre famille, vos amis. On va bien un petit chant à notre Seigneur et reprendre le chant de l'Alléluia. Et je serai ton époux, et je promets de devenir fidèlement, et je
confirme et bénisse dans le Christ le consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas.
Thank you.
Votre passion, s'il vous plaît.